Ça a fait comment nous y là? Bienvenue dans l'autre vidéo Léonard sur le pays Mexique. Je dis à la gentille appli température à un petit Jean Fouquet là. La fait fouet n'a pas tout le monde pas dans la ria là. Pour les amis qui ont sorti la République dominicaine, aujourd'hui, la vidéo ça c'est pour nous. Et les amis qui ont sorti la République dominicaine, parce que c'est un unique pays qui a appelé des courriers haïtiens de tous côtés, immigration, camion, carloge, mettez le monde dans ces bêtes. Alors, il y a une bonne nouvelle pour vous, pour vous même qui pensez venir dans le pays Mexique. Qui nouvelle liée, c'est que, ici dans le pays Mexique, immigration, pas appelé des courriers monde, même gens ensemble avec la République dominicaine. Aujourd'hui, là, moi, dans la capitale, là, dans Mexico City, il y a un paquet d'Haïtiens qui, de façon illégale dans le pays, mais ils n'ont pas besoin de préoccuper. Ils peuvent l'acheter dans le magasin, ils peuvent aller dans le marché, ils peuvent aller. Et pour quel que soit le type de transport sans aucun problème. L'unique côté pour vérifier l'arrivée dans Mexico City, c'est dans la station Bissio avec l'aéroport. Là, on a besoin d'agents d'immigration qui a toujours questionné si toutefois on va aller. Mais quel que soit à côté, à, ou mettre marché sans tête cassée, sans aucun problème, ou pas besoin de craindre rien, pas de immigration qui a couru des moun. Ok? Qui côté moun, a toujours un problème avec chef? Par exemple, si vous sortez et Palenque, ou sortez Tapachula, par exemple, les gens viennent dans la route là, c'est normal pour vous boisser ou parce que vous êtes illégal. Et si tu as une déportation pour Haïtiens, dans le moment là, pas une déportation pour Haïtiens, tu es quand même déporté. Ok? Alors, l'avantage que le pays Mexique a, c'est que, les que vous venez là, de pour être dans la ville là, vous n'avez aucun problème. Et dit chef, pas couru des gens, parce que, dans le moment là, la République dominicaine, les gens sont obligés de s'enrager, ça cap dormir sous le caille, les gens ne peuvent pas sortir, les gens qui stressent en pile. Ok, il y a des gens qui stressent en pile parce que l'immigration a un pile problème en République dominicaine. Mettez-vous dans la cage, femme gouvernante, petit monde, petit bébé, femme nourrice, pas de monde qui est pas, ni grand monde qui laisse ça. Ça vraiment fait mal. Les mêmes façons qu'il y a pris, il y a une dame qui t'a pris le mariage, tout trop mariage, de mettre dans la machine pour déporter. Et moi, je fais un pile reportage et dans ce moment-là, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs vidéos que j'ai fait déjà, que m'a tourné republié encore pour nous faire appel à l'autorité nous yo, une façon pour qu'ils soient capables. Et dis un bagage pour nous, dis un bagage pour mon yo qui la caille voisin parce que bah il est terrible, bagage il est terrible en pile mes amis. Chaque jour, plein monde qui a plein, y a envie de déplacer, y a pas de visa, pas de monde qui légal en République dominicaine actuellement, tout le monde passé. En bas, même moule là, même problème non. Alors, si vous arrivez dans le pays Mexique, vous avez fait être cassé. Les gens viennent dans la route là. Les gens viennent dans la route là, sortir ta voiture là. Vous avez un chef, boissé, vous avez quand même pour vous retourner. Si vous sortez Mexico City ou aller dans la zone sous frontière États-Unis, vous avez retourné Tabasco ou tourner à la dépension comme encore. Mais, de vous être dans la ville que vous arrivez, chef pas bon problème. OK? Nous te Monterrey, chef a de nous chercher moun dans la rue même Jacques Saint-Domingue. Ici la Mexico City même gens. Même gens. Ça que chef pas appelé de ba moun panique. Regardez bien, tout le monde a marché normal. Au contraire, même si on noir, en par exemple République Dominicaine, depuis on noir, ou tout qualifié comme haïtien, tu mets c'était un africain, tu mets son jamaïcain, tout le monde qui noir pour eux fait discrimination avec eux. Parce que pour eux même tout noir c'est haïtien la caillou. Nous en majorité c'est vrai oui mais et pas tout le monde qui noir qui a obligé haïtien. Mais ici là non. Et pas seulement l'ira. Quand on m'a marché là à peine moi trois green noir là. Trois green noir moi qui passe devant là. Pas de monde noir dans l'arrière presque et puis depuis on a gardé en pile tout ça c'est vraiment important. Depuis on a gardé en pile, c'est pas pour dire non forme de discrimination, c'est remé ou noir même. Et dit depuis on marche dans l'arrière ou dans métro, femme ou garçon, petit monde, tout le monde a gardé normalement. OK? C'est honte ou honte privé sous pour pas la voir. OK, on te dit faut faire petite parenthèse ça. Pour les amis qui sortent de la République dominicaine. Non, gracias.
Est-ce que bien? Ça me met ici tout le monde à brasser. Tout le monde à brasser. Là, il y a un livre là, ok? Ça me met ici là, là. Et je me dis là, tout le monde à brasser normalement. Qui laisse à gonzan mi qui te demande qui côté le cas une bagarre original acheté me te montre nous Timberland dans un live me te fait non mol mais nous gain Timberland là et puis nous gain Vans bon bagarre original est parfait Timberland n'a jeune Timberland là m'a gain me font vidéo spécialement dans zone ça là même pour me montrer nous toute gros shop qui gain possibilité pour me tout faire aujourd'hui à même pendant m'a marcher là là jeune Vans et n'a jeune Timberland là et disait marque original qui laisse à gonzan mi qui te écrit on te met ton bot Timberland que me pense acheter bientôt là sous statim sur WhatsApp. Alors amis, dès vous venez dans centre là, dans mall, vous avez un pile gros shop original. OK. Bon bon petite histoire des amis que me te venir avec lui. Par exemple, moun qui habite se garder me depuis longtemps, a songé gon petit partenaire qui Aurélie Arabe là qui te venir ensemble avec nous croiser capitale Santo Domingo, nous prend avion ensemble pour juste nous arriver Mexique ensemble. Monsieur États-Unis là actuellement depuis février moi quoi monsieur États-Unis. L'aime fait crivé avec Arabicite, laisse ça nous pas linker. Et Arab pas voulait ouais ou policier, pas voulait ou machine police tout prête pour courir mais c'est habitude là parce que Saint-Domingue, il était qu'on en courir pour immigration. Mais ici là me dit non mon chou pas besoin peur que tant dit que Mexique dès pour arriver dans ville quand on arrive à, ou si vous c'est pour légal ou pas besoin peur. On met posé après ça monsieur vin cool. Et dit gien pile monde qui sorti Saint-Domingue depuis au chef dans la rue tout prêt pour courir. Au contraire non chef tout prêt pour salir. OK, pas oublier pas répéter encore immigration pas emmerder monde même avec République Dominicaine. Il ni côté pour prudence dans l'aéroport avec dans station Bissio parce que gien pile immigrant pas seulement haïtien qui vient ici de façon illégale. Et c'est là que je vais quitter la vidéo. La prochaine vidéo qui va venir, je vais visiter Chinatown, qui est le barrio chinois ou bien le quartier chinois, pour me montrer comment les Chinois ont une identité, comment les Chinois ont même mis tête ensemble, chaque pays qui est arrivé, dans chaque capitale dans le monde. Et bon, ce n'est pas tout pays, parce que les pays ne sont pas capables. Je ne sais pas si c'est Chinatown dans la Corée du Nord, mais l'autre pays qui est dans le pays. Mais dans le pays d'Amérique latine, ou avez dans chaque ville qui a un Chinatown, qui a un Chinois qui a bougé, qui a une identité qui a fonctionné. Alors, merci de quitter un commentaire et puis tout le monde dans l'autre vidéo. Là, vous venez ici, tous mes amis qui sont ici Saint-Domingue, pas dans le courrier pour chef, même si vous êtes chef, vous êtes vraiment amigable, vous n'êtes pas dans le déporté monde. Ok? Dans ce moment-là, tout n'est pas une déportation pour Haïtien. Alors, vous pouvez visiter Chinatown qui est derrière là, de l'autre bord là. Ok? Vous pouvez visiter et puis tout, vous êtes dans l'autre vidéo. À la prochaine.